De brisement des mauvais rêves par l'évangéliste, écrivain, conférencier international Eloge et Bien-aimés, bonjour. Vous êtes en train d'écouter l'évangéliste, écrivain, conférencier Eloge et Kisi. À la demande du public, j'ai décidé de faire cette note vocale dans le but d'éclaircir les enfants de Dieu pour qu'ils puissent prendre leurs rêves au sérieux. L'un des aspects les plus importants de la vie spirituelle ou de notre marche avec Dieu est la compréhension ou le discernement de nos rêves. Autrefois, l'Éternel parlait à ses serviteurs directement par des rêves, tout comme dans le cas de du père de Jésus-Christ qui avait été avisé en rêve que Hérode cherchait à faire du mal à l'enfant et qui par conséquent a été ordonné de quitter le pays par Dieu. Bien aimé, les rêves font partie des méthodes par lesquelles Dieu parle à ses enfants. Il leur donne des réponses, il leur donne des orientations, euh, des avertissements et toutes sortes de choses. Lorsque nous parlons des méthodes de communication de Dieu, nous parlons de rêves, des prophéties, des révélations, d'intuitions et autres. C'est effectivement ce que la parole de Dieu nous dit. En Job 33, verset 13. Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il lui rend compte de ses actes. Vous voyez, il ne rend aucun compte de ses actes. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Bien-aimés, Job fit cette déclaration parce qu'il s'était aperçu que, depuis le commencement, de son calvaire, de sa souffrance, Dieu lui indiquait ce qu'il devrait faire, mais il ne le comprenait pas. C'est plus tard que lorsqu'il est arrivé à comprendre Oh my God, il me parlait depuis le début. Mon Dieu, le Seigneur me parlait depuis le début. C'est là qu'il a dit Cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. En d'autres termes, depuis le début, il me disait ce que je devrais faire. Tout comme aujourd'hui, beaucoup de gens ont fait des rêves, des rêves qui leur révèlent leur vie passée, des rêves qui leur révèlent les causes de leurs souffrances, des rêves qui leur révèlent leur avenir, leur destin, leur destinée, ce qu'ils sont appelés à faire, comment éviter les pièges de l'ennemi. Ouh, fais attention, mon frère. Il y a quelque chose qui va arriver. Fais attention, mon frère. Ils sont en train de faire un complot contre toi. Et toutes ces choses se traduisent par des rêves, des songes, des cauchemars. Tu peux être en train de dormir, quelqu'un vient t'étouffer, tu luttes, tu cries, personne autour de toi n'entend, tu te réveilles en sursaut parce que Dieu t'a aidé. Mais la plupart des enfants de Dieu n'ont pas le discernement de leurs rêves. En d'autres termes, ils ne comprennent pas leurs rêves. Le nombre de fois que les gens m'ont appelé pour dire, pasteur, j'ai fait un rêve, pasteur, j'ai fait un rêve, pasteur, je veux que tu me l'expliques. Et très souvent... Ils se promènent pour chercher que des explications de leurs rêves et après, ils ne font rien d'autre parce que ils ne savent pas briser leurs rêves, euh, je veux dire les mauvais rêves. Pourquoi briser les mauvais rêves Nous devons les briser parce que ils sont une révélation des œuvres de l'ennemi de la part de Dieu. Le livre de Job 33. Au verset 14 dit que Dieu parle tantôt d'une manière et cependant d'une autre, mais l'on y prend point de garde. La Bible déclare qu'il parle par des songes, il parle par des visions nocturnes. Il peut aussi nous parler par des intuitions. Par exemple, tu as envie d'aller quelque part, mais tout de suite, euh, ton intuition te dit, n'y va pas. Tu as envie d'aller quelque part, mais au fond de toi, tu as le pressentiment que non, quelque chose de mal va arriver en cours de route. C'est effectivement de cette manière que Dieu parle. La Bible dit que quand nous sommes endormis sur notre couche, alors il donne des avertissements et il met le sceau sur ses instructions. La Bible va même jusqu'à parler de certaines batailles que nous avions menées en rêve. Tu es en train de dormir, tu sens une présence dans ta maison. Tu es en train de dormir, tu sens que quelqu'un est en train de te serrer la gorge, de t'étouffer, de tenter de te retirer le souffle. Et beaucoup ont su... Combé à ce genre d'attaque. Le nombre de personnes qui va au lit et qui s'endort sans plus jamais se réveiller, réveiller du moins, est inestimable. Il y a d'ailleurs un jeune homme qui est mort comme ça. Mon ami me raconta l'histoire de ce jeune homme qui, sur sa couche, se tordait, se débattait dans son sommeil et tout à coup, il a commencé à se tirer et sa langue est sortie. Il est il a, il a uriné sur lui et il est mort sur sa couche. J'ai aussi été victime de ce genre d'attaque. D'où je voyais quelqu'un que je connaissais physiquement. Je voyais la personne. En fait, je connais cette personne physiquement. C'est ce que je tentais de dire. Elle tentait dans mon songe de me retirer le souffle de vie. Je me battais, je tentais de jusqu'à ce que je me réveille en sursaut avec le cœur qui battait la chamade et j'étais pétrifié par ce rêve. Je sais que vous aussi il vous est arrivé un jour de faire un rêve, du moins un cauchemar, un rêve si horrible que vous n'aviez pas eu le courage de vous recoucher. Mais vous devez savoir aussi que si Dieu parle par les rêves, c'est pas seulement pour nous apporter porter des révélations sur notre destinée. Certains rêves sont bons, certains ne sont pas bons. Certains rêves révèlent ce que Dieu veut faire pour nous, mais la plupart des rêves révèlent ce que l'ennemi cherche à faire contre nous. Malheureusement, beaucoup ne comprennent pas leurs rêves. Bien aimé, un rêve peut dire quelque chose de différent en fonction de la personne à qui Dieu l'a révélé. Ce qui veut dire que si moi, j'ai la capacité à discerner quelque chose, Dieu va me parler selon ma capacité à comprendre. Mais l'une des raisons pour lesquelles les gens ne comprennent pas leurs rêve, c'est que ils n'apprennent pas à s'étudier. Ils n'apprennent pas à se connaître. Je me rappelle que en 2002, ou je ne sais pas si c'est 2001, parce que ça fait très longtemps, avant que mon grand-père ne meure, mon, bas, mon bras gauche a commencé à battre et quelques temps après j'ai appris la mort de mon grand-père alors j'ai vu que ce signe s'est manifesté pendant plusieurs jours bien aimé il peut vous il peut nous arriver des trucs qui se manifestent quelques jours quelques heures quelques minutes mais j'ai senti ma main battre pendant ma main battre pendant un bon bout de temps Juste à ce que je comprenne que lorsque tu regardes ta main bouger de la manière dont ton Cœur bas où tu sens que à l'intérieur ta main, tes muscles bougent, c'est que ça veut spirituellement dire un bras gauche va se briser. Et un bras gauche va se briser veut dire que tu vas perdre quelqu'un qui, ça sur le plan spirituel, occupe la place de la main gauche. C'est pour ça que la Bible déclare que Christ est monté à la droite de Dieu le Père, il intercède pour nous. La Bible déclare à la droite de Dieu le Père. Donc, dans notre vie, il y a des gens qui occupent comme la place du bras gauche et il y a des gens qui sont comme ce qu'on appelle nos bras droits. Vous voyez même les êtres humains disent "Ah, oh, c'est le bras droit du président, c'est mon bras droit, c'est mon bras droit." C'est parce que cette personne occupe une place importante qui représente comme ton bras droit. Pourquoi que c'est montré ça soit seulement à la droite de Dieu le Père Vous comprenez que il y a des places que nous occupons en fonction de l'importance que nous avons aux yeux de certaines personnes. Donc, quelqu'un que tu ne considères pas trop peut-être comme un bras gauche, mais quelqu'un que tu aimes beaucoup, veut dire, c'est mon bras droit. Et lorsque, euh, contrairement à mon grand-père, pour être honnête, j'ai ma grand-mère que j'apprécie beaucoup, euh, euh, était malade, j'ai commencé à sentir le même signe que j'ai senti pour mon grand-père euh, lorsque euh, il devrait mourir. Mon bras gauche battait. Et j'ai commencé à sentir mon bras droit, le muscle supérieur du bras droit, c'est-à-dire avant l'épaule, qui a commencé à battre. Et j'ai commencé à prier. Là, j'ai compris, j'ai discerné que quelqu'un qui m'était cher allait mourir. J'ai commencé à intercéder. Figurez-vous que quelques temps après, ma cousine m'appelle et me dit Waouh, grand-mère était malade. N'eût été l'argent que tu as envoyé, elle serait morte parce que l'argent est tombé au bon moment. Moi, ce n'est pas le. La question d'argent qui m'emportait, mais c'était que ce qu'elle me disait n'était qu'en train de confirmer ce que j'avais pressenti. Bien-aimé, ce n'est pas l'argent qui l'a sauvé, c'est la prière qui l'a sauvé. Parce que lorsque j'ai senti que euh, quelqu'un d'important allait mourir, j'ai commencé à intercéder. Lorsque vous êtes là et que votre œil bouge, vous avez l'impression que votre paupière bouge, vos cils tremblent, ça veut dire que Dieu est en train d'attirer votre attention. Fais attention, quelque chose va se passer. Ouvre tes yeux. Et la plupart du temps, ce sont des petits signes qui arrivent quand Dieu veut nous éviter une dispute, une querelle, une erreur, un piège, un malheur, quelque chose que le diable a planifié. Certainement, quand il veut te faire prendre conscience de quelque chose, t'avertir, tes paupières commencent à bouger tes cils commencent à bouger. Ça, ça n'a rien à voir avec des rêves, mais je vais vous parler des petits signes par lesquels Dieu nous parle. Parfois, tu es en train d'aller quelque part, ou tu prends une décision, mais ton cœur commence à battre. Ton cœur bat tellement que tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive C'est tout simplement parce que ton esprit qui est doté d'une arme d'autodéfense spirituelle a détecté que tu as pris une décision qui va mal se terminer. Où tu es en train d'aller quelque part, où tu n'es même pas supposé être allé. Combien de fois nous sommes nous réveillés avec le cœur battant et nous sommes allés à certains endroits sans la prière, sans intercéder. Vous voyez Et parfois, quand vous faites des rêves ou vous êtes dans le passé, ça veut dire que le lieu où vous vous voyez constamment, quelque chose a été fait là-bas. Donc, Dieu va essayer de vous dire de prier pour que. Ce qui s'est passé en ce lieu ne vous affecte pas. Durant ce petit ce petit enseignement, pardonnez-moi, je vais vous donner des prières pour briser les mauvais rêves. Mais s'il vous plaît, partagez l'audio pour ne pas garder pour vous seul, parce que beaucoup sont en, en, encore en train de souffrir de, de leur ignorance, ils comprennent pas leurs rêves, des malheurs leur arrivent alors que Dieu les avertit. Euh, ils souffrent, ils tournent en rond, ils sont attachés. Bien aimé. J'aimerais vous apporter quelques éclaircissements. Beaucoup tentent de donner des significations de rêves, mais ils se trompent et ils désorientent les enfants de Dieu. Puis, mais lorsque vous faites un rêve, quand vous priez que le Seigneur tente de vous révéler des choses qui sont passées dans le passé, parfois c'est pour vous dire, fais attention, il s'est passé quelque chose lorsque tu vivais chez ta tante. Et tu es là. Tu n'es plus à l'école, par exemple, mais tu te vois toujours dans une salle de classe. C'est un rêve de rétrogradation. Ou lorsque tu te vois dans une salle de classe, ça peut aussi dire que tu es en plein examen, c'est-à-dire actuellement tu es en examen. C'est comme si le diable te met à l'épreuve. Ou bien tu es en train de traverser une situation d'épreuve. Se retrouver en salle de classe, c'est un peu comme si tu es en train de faire un examen. Ou tu es en train de traverser une épreuve actuellement. Et aussi, tu peux aussi te voir en salle de classe parce que spirituellement, ils t'ont ramené en arrière. Lorsque tu n'es plus à l'école et que tu te vois en rêve, tu te vois en rêve en train de, de décomposer à l'école, ça veut dire que soit tu as été rétrogradé ou bien tu es en train de traverser une situation d'épreuve. Le succès dépendra de ta compréhension de ce que tu es en train de vivre. Quand Dieu te révèle que tu es à l'école, en salle de classe alors que tu n'es plus un élève, ou bien euh, tu es en classe euh, dans une classe inférieure alors que tu n'es même tu n'es plus là-bas, ça sous-entend. Il y a eu quelque chose, soit à l'époque où tu étais à l'école, ou tu es en train de traverser une situation qui, 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 qui ressemble à celle de Job, tu es en train de traverser une preuve spirituelle que tu dois vaincre pour avancer, ou tu es retenu dans le passé par quelque chose qui s'est passé. Mes amis, quand c'est comme ça, il faut aller briser en disant, « Seigneur, que toute chose qui s'est passée à l'époque où j'étais à l'école soit brisée et annulée au nom de Jésus. » Le but du rêve, c'est pas de te dire que tu as vu quelque chose. Mais le but du rêve, c'est de te révéler ce qui s'est passé. La plupart du temps, les gens ne comprennent même pas comment briser les rêves. Et moi, je vais vous aider à briser les rêves en quatre parties. Le premier but du rêve, c'est de te révéler ce qui a été fait ou ce qui a été dit. Donc, tu ne peux pas te lever et briser des rêves. Oui, je brise tout rêve sexuel au nom de Jésus. Non. Briser le rêve sexuel, c'est bon. Mais c'est pas la meilleure méthode. En fait, c'est quelque chose qui a été dit dans le spirituel ou qui a été fait et qui t'a fait voir ce rêve sexuel. C'est une pratique mystique. C'est un rituel satanique. C'est une activité diabolique. Donc, pour briser le rêve, tu dois plutôt aller pointer du doigt. Ce qui a eu lieu et qui s'est révélé à toi sous forme de rêve. Dieu t'a tout simplement révélé que il y a eu quelque chose qui a fait que tu étais en train de manger en rêve, c'est tout. Donc, si tu dis, j'ai brise toute nourriture spirituelle que j'ai mangée en rêve et je l'annule, bon, c'est bien, mais c'est pas efficace. Il faut plutôt dire que tout rituel, toute pratique occulte, ou toute chose qui a été dite ou qui a été faite contre moi, et qui a fait que je me suis vu en train de manger en rêve, soit brisé et annulé au nom de Jésus. C'est comme ça qu'on fait. Si par exemple, tu te vois en train de marcher en rêve, mais tu n'arrives pas où tu vas, ça sous-entend que quelque part, ils ont planté le non-accomplissement dans ta vie. Ça veut dire que les rêves où tu vas quelque part et puis tu n'arrives jamais, <laughs> ça veut dire que quelque part, ils ont pratiqué quelque chose pour que tu n'accomplisses rien. J'ai aussi fait ce rêve, juste à ce que Dieu me dise, éloge, ils t'ont envoyé un esprit de non-accomplissement. Et c'est depuis ce jour que j'ai fracassé, démoli, foudroyé cet esprit en priant ainsi. Que toute chose qui a été faite contre moi et qui fait que je me voie toujours en rêve en train de marcher sans arriver où je vais soit brisée et annulée au nom de Jésus. Que toute chose qui a été faite contre moi et et qui fait que je me voie en train de marcher en rêve sans arriver où je vais soit brisée et annulée au nom de Jésus. C'est comme ça qu'on brise les mauvais rêves. Et après, l'autre étape consistera à détruire les étapes ou, je vais dire, les conséquences de ce que tu as vu. Parce que si tu as vu ce que l'ennemi a fait, c'est que l'ennemi l'a fait pour qu'il y ait des conséquences. Et il y a des gens qui brisent les rêves mais qui, qui n'annulent pas leurs conséquences. Il y en a aussi qui brisent des rêves où on leur a volé, mais ils ne rappellent pas leur bénédiction. Le rêve que tu as fait, s'il est mauvais, peut avoir des conséquences et des effets. Par conséquent, si toi tu te contentes de briser le rêve et de l'annuler, les conséquences sont là. Donc, après avoir brisé un rêve, il faut soit exiger une restauration. Si durant ce rêve, Dieu t'a révélé que tu as été volé, ou tu as été brisé, ou quelque chose a été détruit. Il faut maintenant ordonner la restauration de cette chose. Par exemple, dans ton rêve, on a brisé ton foyer. Mais dis à Dieu que tout ce qui a été fait dans mon rêve et qui a fait que j'ai vu que mon foyer a été brisé soit annulé au nom de Jésus. Maintenant, j'ordonne que ce foyer soit restauré, soit réparé, soit restauré au nom de Jésus. J'ordonne la réconciliation. Seigneur, j'ordonne que nos cœurs soient réparés, soient restaurés au nom de Jésus. Si ce n'est pas fait ainsi, vous allez voir que les couples concernés vont de temps à autre tenter de revenir ensemble, mais en même temps, ils seront toujours en train de se justifier, de se quereller. Ils, ils reviennent ensemble, mais avec toujours des souvenirs. Oui, c'est que tu as fait là. Hein? C'est toi, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Oui, oui, tu te souviens, non, toi, tu as été méchant avec moi. Vous allez voir que ce sont des gens qui tentent de se réconcilier, mais qui n'arrivent jamais à tourner la page des couples brisés qui se disputent mais qui continuent toujours de se rappeler ce que l'autre a fait, de garder rancune tout simplement parce que n'y ah, a pas eu restauration et réparation. Quand il y a restauration et réparation, les cœurs guérissent et on oublie ce qui s'est passé vous voyez donc quand l'ennemi vous attaque c'est pour que ces attaques aient des conséquences et quand Dieu vous les révèle c'est pour que vous vous adressez réellement au problème pour l'annuler pour l'anéantir pour le détruire et pour le supprimer donc quand parfois je vois des gens sur YouTube en train de faire prier des brisements, des mauvais rêves excusez-moi c'est pas parce que j'en sais plus mais <laughs> ça me fait rire parce que ils comprennent parfois pas, ils comprennent pas parfois ce dont ils parlent un rêve où on te fait une injection, tu peux dire oui j'annule euh, tout rêve dans lequel on m'a injecté quelque chose à l'hôpital. Même si tu t'es retrouvé à l'hôpital en rêve, c'est même pas de bons signes. n'est pas un bon signe. Une jeune fille s'est vue plutôt injecter quelque chose en rêve et elle s'est réveillée, elle avait le VIH après euh, avoir fait des analyses. Donc quand tu fais un rêve où tu te retrouves à l'hôpital, tu fais un rêve où on t'injecte quelque chose, tu fais un rêve où on te donne à manger, ce sont des rêves à traiter sérieusement détruit ce qui a généré le rêve, ce qui a été fait dans le monde des ténèbres et que j'ai fait ce rêve, je le détruis au nom de Jésus. Tout rêve dans lequel je me suis vu injecté, peu importe ce qui a été fait dans les ténèbres, pour que je fasse ce rêve, je l'annule, je le brise, je détruis ses conséquences et j'ordonne la restauration de mon sang au nom de Jésus. Je donne la purification de mon sang par le sang de Jésus au nom de Jésus. Et puis après vous prophétisez, je ne serai pas malade. S'ils veulent m'hospitaliser, s'ils veulent m'injecter un virus mortel, je l'annule au nom de Jésus. C'est comme ça on fait, bien-aimés. Beaucoup traitent parfois des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Ils induisent les enfants de Dieu en erreur. Parfois les gens donnent que des sujets de prière, mais il n'y a pas de véritable point de prière. Donc si vous faites un rêve que vous êtes ou dans lequel pardon dans lequel vous êtes en train de manger, cela veut dire que le est en train de vous envoûter, vous initier dans la sorcellerie, vous alourdir. Parfois, ce sont des nourritures mystiques, sataniques, des envoûtements qui se convertissent en nourriture. Parfois, c'est la chair humaine que vous voyez en train de manger. Vous vous voyez en train de boire, mais ils sont en train de vous donner du sang humain à boire en rêve. Vous vous réveillez, vos ambitions sont détruites, vos rêves, euh, vos projets. Vous n'avez même plus de pouvoir, de courage de le faire. Ils peuvent même vous donner de l'eau à boire en un rêve, hein, une eau envoûtée qui détruit vos rêves, qui vous rend négatif. Vous êtes tout en train de vous plaindre, pleurer et autres. vous bavadez, vous racontez vos problèmes aux gens, mais en réalité, vous ne faites rien parce que vous avez été spirituellement, vous avez été spirituellement neutralisé. C'est pour ça, lorsque vous faites ce genre de rêve, vous mangez, vous buvez, vous êtes dans des festivités. Ça veut dire que l'ennemi veut vous coller une pauvreté ou un esprit de gaspillage. Quand tu fais un rêve, ou tu es dans une fête. Ça, c'est un esprit de gaspillage. Alors, il faut réellement prier en disant que tout ce qui a été fait dans le monde des ténèbres et qui a fait que je me suis vu en train de manger, de boire et autres, soit annulé au nom de Jésus. Que toute nourriture satanique qui a été injectée dans mon sang, dans mon âme, soit brisée et annulée, soit détruite au nom de Jésus. Bien, bien aimé, ce que je tente de te dire par cet ens enseignement, quand tu fais des rêves de ce genre, c'est que l'ennemi tente d'atteindre ton âme. Et une fois ton âme est atteinte, ton corps n'est plus rien. Tu deviens négatif, lourd, paresseux. Beaucoup de gens n'arrivent pas à prier longtemps parce que l'ennemi les a neutralisés. Alors je prie à cet instant même que. Toutes choses qu'ils t'ont donné à manger et à boire pour neutraliser tes forces spirituelles soient brisées et annulées au nom de Jésus. Que toutes choses qu'ils m'ont donné à boire et à manger pour me démotiver, pour me démoraliser, pour que je tombe dans la dépression soit brisée et détruite au nom de Jésus. Que tout ce qui a été fait en rêve et qui t'a fait voir des songes où tu étais en train de manger, de dîner, de boire, de festiver, de faire des fêtes, pardon soit brisé et annulé au nom de Jésus. Bien-aimé, lorsque vous faites un rêve où vous voyez des morts, beaucoup de gens ont tendance à croire que c'est parce qu'ils vont mourir que Dieu a révélé ça. Non! Tu peux ne pas mourir physiquement, mais tu peux mourir spirituellement. Donc, quand tu vois des morts en rêve, ça veut dire plusieurs choses. Parfois, tu fais un rêve où tu vois la mort, tu vois des cercueils, tu vois des tombeaux. Ça veut dire que soit l'ennemi a introduit un esprit de mort dans tes affaires. Si tu vois constamment quelqu'un en rêve. Ça peut dépendre de plusieurs choses. Ça peut dépendre de ce qui a été fait contre toi le jour de la mort de cette personne. Ou ça peut dépendre du problème qu'elle a apporté dans la famille durant son vivant. Ou ça peut dépendre de ce qui a eu lieu entre la personne et toi, de son vivant. Si je peux le dire ainsi, peut-être que je, je, je me trompe aussi souvent, pardonnez-moi, mais... Euh, C'est le français, ce n'est pas ma langue maternelle. Je suis né en Côte d'Ivoire avec la langue abeille, vous comprenez? Donc, je tente du mieux que je peux pour vous faire comprendre mon message, l'inspiration. Donc, quand on voit des morts en rêve, ça veut dire plusieurs choses. Soit l'ennemi introduit l'esprit mort dans ta vie. Moi, j'ai fait un rêve où une jeune fille avait été abattue à bout portant. Est-ce que vous savez qu'après ce rêve, cette jeune fille qui était morte en rêve, son mariage a été brisé. Physiquement, elle vivait, mais spirituellement, son mariage avait été atteint. Donc, l'ennemi attaque d'une manière ou d'une autre. Nous devons avoir la connaissance, je dis, le discernement, la compréhension des révélations de Dieu. Nous devons avoir des, un niveau spirituel de compréhension pour discerner. En fait, c'est l'esprit qui discerne le rêve. C'est l'esprit qui comprend. Discerner, c'est arriver à comprendre, à, ah, à, ah, 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 à détecter, à décrypter le rêve, c'est-à-dire à décoder le message. Donc, quand vous faites un rêve où vous voyez des morts, ça va, ça dépend de de, 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 de la circonstance. Ça va dépendre de la circonstance dans laquelle vous, vous êtes retrouvé dans le rêve. Sinon, normalement, quand l'ennemi veut tuer quelqu'un, ce sont des attaques que nous voyons en rêve. On te tire dessus, tu fais des accidents. On te poursuit, on poursuit ton âme. Des fois, tu te vois poursuivre, tu te vois mordre par un serpent, tu vois des bœufs t'attaquer, des serpents et autres. Mais lorsque tu te vois dans un rêve, aller au cimetière ou bien des trucs qui ont lien avec la mort, le visage des parents décédés, des choses, tu peux aussi voir un parent décédé, mais cela veut dire que euh, si cette personne était une sorcière, cela veut dire que quelqu'un utilise son visage pour se camoufler se camoufler parce qu'ils savent que tu estimais cette personne ou bien tu aimais cette personne. En fait, tu peux tout simplement utiliser aussi le visage de la personne pour vous tromper. Parfois, ce sont ce qu'on appelle les mandataires qui prennent le visage, c'est-à-dire la personne était une sorcière et celle qui l'a remplacée dans la sorcellerie utilise son visage pour venir vous attaquer. Votre parent peut mourir. Vous savez, quand quelqu'un meurt, il n'a plus rien à dire avec les humains, il part. Qu'est-ce que les mots ont à voir avec les, les, les vivants? Et quand vous voyez les morts, vous croyez que c'est vos parents qui sont venus vous parler, c'est votre papa qui veille chez vous, c'est votre maman qui veille chez vous, c'est votre grand-mère qui veille chez vous. Et il y en a même qui sont contents d'avoir vu leur mère en rêve. Excuse-moi, quand tu vois un mort, ça ne veut pas forcément dire que c'est la personne qui vient de parler. Elle est morte, elle ne sait, sait même plus ce qui sur terre. Mais Dieu peut utiliser le visage d'une personne décédée pour te parler soit pour te dire qu'ils ont introduit un esprit de mort dans ta vie. D'ailleurs, les gens qui font ce genre de rêves, là, vous allez voir que leurs affaires n'avancent jamais. Tout est mort dans leur vie. Ils sont bloqués, ils tournent en rond. Il y a aussi des gens qui font des rêves où ils sont enterrés, où ils voient des cimetières. Ça peut aussi dire que ta destinée a été enterrée. Donc, ça demande vraiment une grande capacité de compréhension pour savoir ce que vos rêves veulent dire. Quand vous faites des rêves où vous êtes marié, où vous, vous avez des rapports sexuels en rêve, ça ne veut pas forcément dire que vous avez un mari des nuits. Dans la plupart des cas, euh, soit la personne, les gens vous ont spirituellement marié et utilisent des différents visages, des ex, des copains, des copines avec qui vous avez eu des affaires pour venir vous coucher, venir vous souiller, s'accoupler avec votre âme. Et sachez que quand, quand l'on s'accouple avec vous en rêve spirituellement, ça veut soit dire que vous avez un mari des nuits ou une femme de nuit. Vous savez dire que la personne qui utilise cette stratégie utilise la magie sexuelle, la sorcellerie sexuelle ou des attaques sexuelles. Ce sont des attaques qui sont semblables aux actes sexuels que nous posons physiquement, parce que euh, la plupart des personnes qui font ces rêves là, euh, lorsqu'elles se réveillent, elles sont souillées, mouillées comme si elles avaient eu des rapports sexuels physiquement. Du coup, quand euh, ces forces sataniques arrivent à vous souiller, c'est-à-dire à vous dépouiller de votre potentiel. Elle vous vole vos dons. Durant un rêve sexuel, il y a plusieurs choses qui se passent. Un, la personne peut te souiller, la personne qui t'attaque en rêve ou le démon qui t'attaque en rêve peut te souiller et te faire commettre ce qu'on appelle l'adultère de manière indirecte. C'est-à-dire que tu étais supposé euh, euh, être rempli euh, de la force spirituelle qui s'est liée au spermatozoïde parce que beaucoup de gens ne se connaissent pas le pouvoir, l'autorité qui est dans le sperme. Et il croit que c'est parce que euh, Dieu dit de ne pas forniquer tout simplement parce que euh, coucher avec une personne. Non, le diable n'a pas besoin de te faire coucher avec une personne. Le diable pousse les gens à se masturber parce qu'il a peur que le sperme reste en eux et que la puissance de Dieu se manifeste. Vous ne savez pas pourquoi les prêtres ne couchent pas avec les femmes. Posez-vous la question de savoir pourquoi les moines Shaolin disent qu'il euh, euh, ne faut pas avoir de rapport parce que, excusez-moi du thème, le spermatozoïde humain est la base de la puissance de l'être humain. Et oui, c'est pour ça les prêtres catholiques ne couchent pas avec euh, les femmes. Désolé. Je ferme ce... Cette parenthèse pour ne pas vous, faire, vous mettre mal à l'aise. Mais je veux juste vous faire comprendre que si le but, c'était seulement d'amener l'homme à ne pas coucher avec la femme au mariage, pourquoi croyez-vous que le diable pousse les gens à se masturber Pourquoi croyez-vous croyez que les femmes couchent avec des animaux, les hommes se pervertissent, les gens se masturbent à longueur de journée et commettent des abominations sexuelles Et vous allez voir, juste avant de fermer la parenthèse, un homme qui n'a pas eu de rapport avec sa femme. Sera agité toute la journée. Et lorsque le diable vient s'emparer de lui, il va le pousser, que ce soit la femme et autres. Et aussitôt que cette personne va soit se masturber ou couche avec une personne, même si l'acte se pose en des minutes, en des secondes, comme je le dis souvent, même leur pénalité ratée, ils n'ont plus envie de faire quelque chose. Je vous donne un exemple pour ne pas aller plus loin. Si par exemple, la femme. Euh, voit que son homme est surexcité si elle le serre juste un peu contre lui et que excuse-moi du terme qu'il éjacule vous allez voir que après l'éjaculation l'homme n'a plus envie d'aller avec sa femme. Vous savez de quoi je parle. Des hommes se sont agités, des femmes se sont agitées, mais bon ben quelque part après l'acte commis lorsque l'acte a été commis, vous allez voir que du coup ces personnes étaient désintéressées. Mais vous ne vous êtes pas posé la question de savoir mais pourquoi elle était agitée ou elle vous Pressée, mais aussitôt que elle a commis l'acte, c'est comme si aussitôt que la personne a éjaculé, elle n'avait plus envie. Le but c'est de vous faire comprendre que la conservation du sperme en l'être humain permet la pureté spirituelle, mais ça donne la puissance et la force spirituelle. Plus tard, je vous donnerai plus de secrets sur ce, sur ce truc. Je dis, c'est pour ça que vous allez voir les hommes, lorsqu'ils ont envie, sont incapables de se contrôler. Ils vont même violer pour satisfaire leurs besoins. Certaines femmes, en longueur de journée, se masturbent, mais ne savent pas que c'est en cela que Dieu dépose la puissance. Donc, quand vous faites des rêves sexuels, la magie sexuelle, les attaques de la magie sexuelle ou la sorcellerie sexuelle, c'est soit pour venir vous retirer vos dons, vos grâces, par le biais du sperme. Certains sorciers même envoient des femmes se prostituer pour venir leur vendre le sperme parce que le destin de l'être humain est dans le sperme. Donc quand on vous attaque par des actes, des rêves sexuels, c'est votre destin même qu'on attaque. C'est votre autorité spirituelle qu'on attaque. Ce sont les pouvoirs, vos dons que Dieu dépose en vous qui viennent chercher. Donc vous devez arrêter ça. C'est pour cela que vous voyez que la plupart des femmes ou des hommes, des personnes qui ont très régulièrement des rêves sexuels ne prospèrent même pas. C'est comme si après le rêve sexuel, toute leur vie s'écoulait, tout allait mal. Tout simplement parce que durant ces rapports intimes spirituels, soit le diable te souille, les agents sataniques viennent s'accoupler avec toi pour détruire ta vie, pour te faire sentir, pour t'empoisonner, pour t'envoûter et autres. Et à cause de cela, beaucoup de gens... Ne garde pas leur mariage. Parce que, parfois, ils viennent injecter des choses dans ton corps. Un homme peut venir, il t'aime, il t'adore, il est prêt à t'offrir le ciel. Mais, à peine il couche avec toi ou il s'approche de toi, même un vélo, il ne peut plus t'offrir. Alors qu'il t'offrait, il te promettait ciel et terre. Cela veut dire que l'ennemi passe aussi par ce qu'on appelle les envoûtements sexuels. Si tu as été victime d'un envoûtement sexuel, qui a fait que, suite à cela, ton mariage s'est brisé ou tout ce qui t'approche te fuit. Je brise tout envoûtement sexuel dont tu as été ré, victime en rêve. Que toute pratique occulte qui a été faite dans le monde des esprits, dans le monde des ténèbres, dans le monde tantanium, dans le monde pandémonium et qui a fait que tu t'es vu en train d'avoir des rapports sexuels soit brisé et annulé au nom de Jésus. Je prie en ce moment que tout démon qui, qui vient s'accoupler avec toi soit enchaîné et lié pour toujours. Prie ainsi que toute force de la sorcellerie qui vient s'accoupler avec moi pour détruire mes chances soit foudroyée et décapitée que tout agent des ténèbres dans ma famille qui m'a marié spirituellement et qui me combat pour que je ne me marie pas soit foudroyé au nom de Jésus ange de l'éternel saisis la tête de tout pouvoir des ténèbres qui vient s'accoupler avec moi et arrache sa tête au nom de Jésus amen vous voyez, donc les attaques sexuelles, la magie sexuelle, les pratiques occultes par la sorcellerie sexuelle affectent très négativement et rapidement les êtres humains. Si vous faites des rêves dans lesquels vous mangez, des rêves durant lesquels vous avez eu des rapports sexuels, peu importe le nombre de temps que cela a fait, détruisez ce qui a été fait pour que vous fassiez ce rêve. Annulez-le. Prophétisez pour la restauration. Proclamez votre restauration. Détruisez-le. Voici un petit secret. Le jour où vous faites un rêve sexuel, voici ce que vous devez faire. Si vous avez eu des rêves sexuels, ou bien peut-être que vous avez, euh, durant votre sommeil, vous avez pissé sur vous-même, ou on a uriné sur vous, on vous a souillé, on vous a envoûté avec des excréments sexuels. Si vous avez de l'huile d'isop, prenez-en. Ou si vous avez de l'huile d'olive, de, de, de prenez l'huile d'olive. Avant de prendre l'huile d'olive, allez-y sous la douche. Prenez votre éponge. Prenez de l'eau dans un seau et priez sur cette eau en disant que de la manière dont Élisée a dit au chef guéri d'aller se baigner, je vais aussi me purifier. Vous n'avez même pas besoin d'un pasteur pour vous déshabiller, pour vous laver, pour vous mettre de l'huile. Ça, c'est de la sorcellerie qu'ils font. voit votre nudité, ils voient votre nudité du moins pour, 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 pour satisfaire leur perversion. On n'a pas besoin de vous laver, mais vous pouvez vous purifier vous-même. Et lorsque vous prenez l'eau, priez sur l'eau. Priez sur votre éponge et priez sur votre savon. En déclarant, je déclare que ce que je tiens en main n'est plus mon éponge personnelle, mais c'est la main du Saint-Esprit. Et votre savon devient désormais le sang de Jésus. Et pendant que vous êtes en train de vous laver, de la tête jusqu'aux orteils, je me lave avec le sang de Jésus. Je me lave avec le sang de Jésus et j'annule toute urine qu'ils ont mis sur moi durant mon sommeil. J'annule les conséquences de tout rêve sexuel. J'annule tout envoûtement qu'ils ont mis sur moi sous forme de euh, rapport intime en rêve. J'annule tout envoûtement. J'annule tout ensorcellement qui s'est traduit par un rêve sexuel au nom de Jésus. Pendant que vous êtes en train de vous frotter avec l'éponge, je lave toute impureté sur ma vie tout maraboutage sur ma vie, tout envoûtement sur ma vie, soit lavé. Au nom de Jésus. La Bible déclare que je dois prier en tout lieu et en tout temps. Alors, pendant que je suis en train de me laver, je prie, je me purifie. Allez-y jusqu'à laver vos pieds. Je lave la plante de mes pieds. Je lave mes mains. Pendant ce temps, vous frottez le lieu où vous êtes en train de vivre. De la tête jusqu'aux orteils. Je lave mon visage. Si j'avais été envoûté, je lave mon visage. J'enlève le masque de la sorcellerie. J'enlève les déchets, les caca, les excréments, si on peut le dire ainsi. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, quand vous êtes en train de vous rincer avec l'eau du robinet, vous commencez à prophétiser que c'est la pluie du Saint-Esprit qui tombe sur moi. Je déclare que ce n'est plus de l'eau qui tombe sur moi, mais la pluie du Saint-Esprit. Si j'avais été envoûté, si je sentais spirituellement et que c'est la raison pour laquelle je suis rejeté, en ce moment je ne sens plus. Désormais, je me lave avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus coule sur moi. Je prophétise que c'est l'onction des faveurs qui tombe sur moi. Cette eau n'est plus une eau ordinaire. C'est la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu, ma pluie de bénédiction. Vous commencez à prophétiser sur l'eau qui tombe sur vous. Maintenant, quand vous finissez pour les femmes, permettez-moi de rentrer dans votre intimité, mais pour les femmes. Lorsque vous êtes en train de faire votre toilette intime, commencez à déclarer que vous êtes en train de faire votre toilette intime avec le sang de Jésus. Plus aucun mari dénu ne vous approchera après ce tact. Si vous faites ça et que après vous vivez dans la sanctification homme, femme, aucun démon ne vous approchera. Mais n'allez pas convertir ça en masturbation. bien aimé, je suis là pour vous révéler des choses secrètes et je vais pas marcher sur mes mots. N'allez pas vous masturber. Donc, quand vous faites votre toilette intime, dites que vous êtes en train de faire votre toilette intime avec euh, le sang de Jésus. Et que tout ce que le diable a déposé dans votre corps pour qu'aucun homme ne reste avec vous soit détruit. Beaucoup de femmes ont été attaquées par des maris des nuits, bien aimés, et après ça, leur mari ne les aime plus. Le même homme qui t'aimait avant, maintenant, il couche avec toi. C'est comme si tu sentais. Il ressent le dégoût. C'est parce que le diable met des envoûtements. Dans le corps des hommes et des femmes. Et ta femme qui t'aimait tant ne t'aime plus. Elle ne te ressent même plus. La même personne, même, te trompe dehors et se sent très bien. Mais elle vient à la maison, elle passe du temps avec toi, mais c'est un peu comme si elle te sentait du dégoût. Bien aimé, laissez-moi vous dire les attaques sexuelles que nous, re, nous recevons parfois en rêve ont pour but de provoquer le dégoût, d'envoûter le corps. Bon, c'est pourquoi vous allez voir des gens qui s'aimaient autrefois, maintenant, ne s'aiment plus. Parce que ce sont des attaques sexuelles qui ont pour but de tuer l'amour, de programmer des choses dans le corps de l'être humain. Et vous allez voir que, une fois la personne destinée entre en contact avec ces choses, elle ne vous veut plus. Voici pourquoi vous allez voir que des hommes aimaient des femmes et leur chantaient l'hymne national des amoureux. Et maintenant, ces hommes ont disparu. Parce que lorsqu'ils sont venus dans votre vie, c'est comme s'ils ont rencontré le diable. En réalité, c'était ce qui a été programmé, qui a agi. Et si vous voulez détruire cela, faites ce que je vous ai dit en prenant un bain personnel. Et vous, chaque fois que vous l'avez, priez. Et maintenant, après, pommadez-vous avec l'huile d'isop ou l'huile d'onction et priez pendant un bon moment en prophétisant la destruction des œuvres de la magie sexuelle. En prophétisant que le feu de Dieu est sur vous. En prophétisant, vous allez voir que désormais, le mari de nuit va venir, il va rester à distance et il va s'en aller pour toujours. Et après cela, priez violemment. Et vous allez voir que plus aucune force des ténèbres ne vous approchera. S'il vous plaît, c'est un enseignement gratuit que je suis en train de vous donner, bien aimé. Aidez-moi à le faire connaître. Je suis l'évangéliste écrivain conférencier logique ici. Et mon but, c'est de vous révéler les mystères du combat spirituel. Lorsque vous faites un rêve où vous marchez, vous n'arrivez pas, ça veut dire qu'il y a le non-accomplissement dans votre vie. Lorsque vous faites un rêve où vous êtes en train d'aller quelque part, mais vous n'arrivez pas et vous vous réveillez, c'est qu'il y a le non-accomplissement dans votre vie. Et quand vous faites un rêve dans lequel vous arrivez toujours en retard au travail, en retard à l'aéroport, vous allez quelque part, mais vous manquez toujours le véhicule, vous manquez l'avion, vous, vous arrivez toujours en retard. C'est un esprit de retard qui est dans votre vie. Lorsque vous faites un rêve où on vous donne de l'argent, mais des petites pièces insignifiantes, c'est-à-dire que même pas une bonne somme. Des petites pièces insignifiantes, des petits montants. Ça veut dire qu'ils ont introduit la main sèche, la pauvreté dans votre vie. Bien-aimé, j'avais fait un rêve où quelqu'un m'avait donné 50 francs. Et je me rappelle qu'à cette époque, la galère m'avait vraiment bien chicoté. Ça, ce sont des rêves qui montrent que l'ennemi veut vous appauvrir. Même si vous ramassez beaucoup de pièces d'argent en rêve, bien-aimé, c'est la pauvreté. Un signe de l'esprit de pauvreté. Les mendiants qui sont pauvres cherchent quoi dans la vie Des miettes, des petites pièces. Et vous allez voir que après ce genre de rêve, vous vous battez, mais c'est toujours pour des petites choses. Ça, c'est un signe de pauvreté. Quand vous faites un rêve, vous voyez toujours dans le passé. Ça veut dire que soit quelque chose s'est passé à cette époque. Vous devez déjà retourner dans la prière par la prière. Je retourne dans le passé. Tout ce qui a été dit et fait contre moi et qui fait que je me vois toujours en rêve dans le passé soit détruit. Il y a beaucoup de choses dont je peux vous parler. Mais si vous ne m'avez jamais écouté, allez-y sur mon site internet ou sur ma chaîne YouTube en vous abonnant. Et aussi, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour que chaque fois que je mette quelque chose en ligne, vous puissiez être avisé. Vous voyez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point de garde. Un jeune homme s'est vu en rêve en train de pousser un camion sans pneus. Bien aimé, ça c'est un rêve de du labeur. Quand tu fais un rêve où tu es face à une montagne, tu, es, tu fais un rêve où on te poursuit. Bon, je vais parler de la montagne. Ça veut dire qu'il y a un obstacle dans ta vie. Quand tu fais un rêve où tu es en train d'escalader une montagne, où tu es en train de pousser un camion, en train de transporter quelque chose, c'est un rêve de du labeur. C'est que tes ennemis veulent que tu souffres. Quand tu fais un rêve où tu t'assis au volant un véhicule, derrière un véhicule, où quelqu'un d'autre te conduit, ça veut dire que quelqu'un d'autre dirige ta destinée. Quand tu fais un rêve où tu es en train d'aller quelque part et que... Euh, tu sens que euh, on t'a dévié du chemin, même si quelqu'un t'a dit de passer ailleurs, même si quelqu'un t'a barré le chemin pour te forcer à passer ailleurs. Ça veut dire que tu as été dévié de ta destinée. Quand tu fais un rêve où on t'attaque avec des armes, on te tire dessus, on te poursuit et autres, ça veut dire que on cherche à te tuer. Quand tu fais un rêve où on te tire dessus, ça veut dire que l'ennemi est en train d'infliger des balles, des choses qui vont te tuer plus tard. Si on te poursuit beaucoup en rêve, ça veut dire que euh, tu es en danger. Quand tu fais un rêve où tu vois des animaux, ce sont des attaques spirituelles. Mais ça veut aussi dire que la personne qui vous a attaqué ne voulait pas montrer son visage. Parce que les sorciers sont dotés des capacités à se transformer. Ils ont reçu des, 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 des choses. et Ils choisissent dans la sorcellerie avec quels animaux ils veulent opérer. Il y en a qui ont la capacité à prendre le visage des gens pour venir coucher avec vous. Et s'ils voient dans votre esprit qui vous admirez face à qui vous êtes faible, ils peuvent utiliser même le visage d'un pasteur que vous aimez beaucoup pour venir vous attaquer beaucoup. En fait, des rêves, où ils ont couché des pasteurs. Ah, oh, j'ai couché avec le pasteur. Non, l'ennemi sait qui tu écoutes beaucoup. Et il sait que quand tu écoutes beaucoup, ça veut dire que quelque part, ton âme a euh, de l'admiration pour la personne. Et ils vont utiliser le visage de la personne pour venir vous attaquer en rêve. C'est-à-dire que quand ils voient ce que vous faites, ça devient une porte ouverte pour eux et ils en profitent. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette note vocale pour éclairer les gens. Bien-aimé, même si tu sais pas en rêve que tu es là, tu as des intuitions, des sentiments, des pressentiments, prie beaucoup. Si tu fais un rêve où tu as perdu tes cheveux, ça veut dire que ta gloire t'a été volée, tes chances, ton bonheur t'ont été volés. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses que Dieu révèle en rêve que les gens ne comprennent pas. Quand tu fais un rêve où tu te vois à un arrêt de, de, de bus ou à un arrêt en train d'attendre un véhicule, ça veut dire que ta destinée a été stoppée. Bien aimé, ça c'est une réalité que beaucoup ne comprennent pas. Quand tu te vois à un arrêt, ça veut dire que ta vie a été arrêtée. Ils ont bloqué ton progrès. Il y a beaucoup de choses que je peux vous expliquer, mais vous les découvrirez dans mes enseignements. Bien aimé, partagez cette note vocale pour aider quelqu'un qui fait des cauchemars et qui ne comprend pas. Quand vous voyez des morts en rêve, quand vous voyez des visages en rêve que vous ne comprenez pas, priez ainsi. Seigneur, que le véritable coupable derrière ce visage soit foudroyé au nom de Jésus. Je brise tout mauvais rêve dans lequel j'étais en train de manger au nom puissant de Jésus. Je brise toute chose qui a été faite contre moi en rêve et qui a fait que je me suis vu en train de manger. Je brise toute chose qui a été faite contre moi en rêve. Et qui a fait que je me suis vu en train d'avoir des rapports sexuels au nom puissant de Jésus. Que tout pouvoir qui s'oppose à tout ce que je tente de faire en rêve soit foudroyé au nom de Jésus. Je brise toute chose qui a été faite contre moi en rêve et qui a fait que je me suis vu avec des pièces d'argent au nom de Jésus. Je brise tout esprit de retard qui a été introduit dans ma vie en rêve et qui a fait que je me vois toujours en train de marcher sans arriver où je vais au nom de Jésus. Je brise toute chose qui m'a été donnée à manger en rêve pour neutraliser ma destinée au nom puissant de Jésus. Je brise tout rêve dans lequel je me suis vu en train de marcher sans arriver où je vais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute chose qui a été plantée dans ma vie en rêve et qui me fait faire des cauchemars soit brisée et annulée au nom puissant de Jésus. Que toute chose qui a été dite contre moi dans le monde des ténèbres et qui fait que je fais des mauvais rêves soit brisé et annulé au nom puissant de Jésus. Que toute chose qui s'est passée dans mon passé et qui fait que ma vie ne progresse pas soit brisée et annulée au nom puissant de Jésus. Que toute chose qui a été utilisée pour me lier dans le passé et qui fait que je me voie toujours dans ma vie passée soit brisée et annulée au nom puissant de Jésus. Je brise toute chose qui a été dite ou faite contre moi et qui a fait que je me suis vu en rêve dans une classe d'école au nom puissant de Jésus. Je brise toute chose qui a été faite pour me rétrograder dans le nom puissant de Jésus. Que tout programme de mort qui a été fait contre moi et qui se manifeste dans mes rêves sous forme d'attaque satanique soit brisé et annulé au nom puissant de Jésus. Que toute attaque que mon âme a subie durant mon rêve soit brisée et annulée au nom puissant de Jésus. Que tout esprit de mort qui a été introduit dans ma vie en rêve soit brisé et annulé au nom puissant de Jésus. Que toute attaque que mon âme et mon esprit ont subie en rêve soit brisée et annulée au nom puissant de Jésus. J'expulse de mon corps toute nourriture satanique qui m'a été donnée à manger en rêve et je l'annule au nom puissant de Jésus que tout programme d'investiture, d'initiation et d'intonisation de sorcellerie que j'ai subi en rêve soit brisé et annulé au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, comme je vous le dis d'habitude. Si vous êtes en train de faire cette prière, arrêtez l'audio de temps à autre, répétez la prière et continuez. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la prière est rapide, mais je vous donne des points de prière, vous devez arrêter et annuler au nom de Jésus. Donc priez Priez pendant un bon moment et continuez. Que tout opposant à ma destinée, qui vient toujours dans mes rêves pour attaquer ma destinée, soit foudroyé au nom de Jésus. Que tout rêve d'attaque nocturne soit annulé au nom puissant de Jésus. Que toute chose qui a été faite contre moi dans les profondeurs des rivières et qui fait que je me voie toujours dans l'eau en rêve soit brisée et annulée au nom de Jésus. Je dépris. Toute pratique qui a été faite contre moi avec l'eau, et fait, qui fait que je me voie toujours avec l'eau, au bord de l'eau, dans l'eau en rêve, soit brisée et annulée au nom de Jésus. Je brise et j'annule tout ce qui m'a été donné à boire en rêve au nom puissant de Jésus. Je brise et j'annule toute chose qui a été faite contre moi durant mon sommeil au nom puissant de Jésus. Je détruis les conséquences de toute attaque satanique que j'ai subie en rêve et je l'annule au nom de Jésus. Que toute chose que l'ennemi a faite et camouflée pour que je ne me souvienne pas de mes rêves soit annulée au nom de Jésus. Je brise toute prédiction satanique qui a été faite contre moi durant mon sommeil au nom de Jésus. J'annule tout programme de Lucifer qui a été fait contre moi durant mon sommeil au nom puissant de Jésus. Je brise et j'annule tout ce qui a été sémé dans ma vie par la sorcellerie durant mon sommeil et je l'annule au nom de Jésus. Je brise et j'annule tout programme de la sorcellerie familiale qui a été fait contre moi durant mon sommeil au nom de Jésus. Je brise tout rêve dans lequel j'étais un esclave au nom puissant de Jésus. Je brise tout rêve dans lequel je me suis retourné au pays alors que je suis encore présentement dans ce lieu au nom puissant de Jésus. Je brise tout rêve dans lequel l'ennemi veut me ramener en arrière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout agent satanique au volant de ma destinée soit foudroyé et dégagé au nom puissant de Jésus. Que tout rêve satanique qui hante mon esprit soit brisé et effacé de mon âme au nom puissant de Jésus. Je brise et j'annule tout ce qui a été dit et fait contre moi durant mon sommeil pour affecter ma vie à mon réveil au nom de Jésus. Je brise tout ordre qui a été donné à ma destinée et qui s'est converti en mauvais rêve au nom puissant de Jésus. Épée de l'éternel, foudroie tout pouvoir qui m'attaque pendant mon sommeil au nom de Jésus. Épée de l'éternel, broie tout agent des ténèbres qui m'attaque pendant mon sommeil au nom puissant de Jésus. Je ferme toute porte spirituelle qui s'ouvre entre ma maison et l'au-delà durant mon sommeil pour inviter les démons au nom de Jésus. bien répétez la prière et insistez là-dessus. Que tout pouvoir qui viendra m'attaquer durant mon sommeil soit découpé par l'épée de Dieu au nom de Jésus. Que tout avion satanique qui décollera pour venir m'attaquer soit abattu par la foudre au nom puissant de Jésus. Que tout sorcier qui va se dédoubler pour venir m'attaquer durant mon sommeil soit frappé de plein fouet par la foudre et tombe et meurt au nom de Jésus. Que tout agent satanique qui va convoquer mon âme durant mon sommeil soit foudroyé et coupé en deux par le tonnerre au nom de Jésus. Que toute personne qui va convoquer mon âme depuis le royaume de la sorcellerie soit abattue immédiatement par le canon de Dieu au nom de Jésus. Que tout agent satanique qui m'attaque directement durant mon sommeil soit broyé, écrasé et foudroyé au nom de Jésus. Que tout ce qui a été planté dans ma vie durant mon sommeil soit brisé et annulé au nom de Jésus. Je brise et j'annule tout mauvais rêve qui m'affecte depuis des années au nom de Jésus. Seigneur, que toute chose que tu m'as révélée en rêve et que je n'ai pas su annuler soit brisée et annulée au nom puissant de Jésus. Que tout problème dans ma vie qui a commencé dans un rêve soit arrêté par le sang de Jésus et brisé au nom de Jésus. Que toute mauvaise chose qui a été introduite dans ma vie par un mauvais rêve soit brisée et annulée au nom de Jésus. Que tout individu qui a été programmé et introduit dans ma vie par la sorcellerie en rêve soit chassé de ma vie au nom de Jésus. Que toute connexion satanique qui a été établie dans ma vie par la sorcellerie pour me dévier du plan de Dieu soit brisée au nom de Jésus. Que tout mariage qui a été établi en ma faveur par la sorcellerie en rêve pour me dévier de ma destinée conjugale soit brisé et annulé au nom de Jésus. Que tout malheur dans ma vie qui a commencé dans un rêve soit brisé au nom de Jésus. Que toute activité satanique qui a commencé dans ma vie dans un rêve soit brisée et annulée au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi le discernement et la compréhension de mes rêves. Seigneur, ouvre mon esprit pour que je comprenne mon rêve, mes rêves. Seigneur, lave mon cerveau des impuretés. Lave-moi des pensées négatives. Lave-moi de la souris sexuelle qui m'empêche de me souvenir de mes rêves. Seigneur, si ma vie de prière est spirituellement morte et que c'est la raison pour laquelle je ne me souviens pas de mes rêves, ravive mon esprit au nom de Jésus. Seigneur, si j'ai été spirituellement aveuglé et que c'est la raison pour laquelle je ne me souviens pas de mes rêves, réveille-moi au nom de Jésus. Bien-aimés, ceux qui ont souvent les rêves, les pensées négatives, ne se souviennent pas beaucoup de leurs rêves. Ceux qui vivent aussi dans l'impudicité, qui critiquent beaucoup, qui jalousent beaucoup, qui parlent négativement de leurs semblables, ne se souviennent pas du tout de leurs rêves. Lorsque vous voyez quelqu'un qui ne rêve pas du tout, c'est que cette personne est totalement coupée du ciel. Honnêtement parlant, quand Dieu se retire d'une personne, elle ne se souvient plus de ses rêves. Mais quand Dieu est en une personne, le Saint-Esprit de Dieu lui rappelle toujours ses rêves. Si vous êtes du genre de personne qui ne retient pas ses rêves, ça veut dire que quelque part votre âme, votre esprit est faible spirituellement, faible qui ne retient pas les rêves. Sinon, quand vous priez beaucoup, vous faites beaucoup de rêves parce que l'onction de Dieu en vous grandit. Alors, évitez de faire des choses qui vous affaiblissent. J'ai pris plus de 53 minutes, peut-être 54 ou 5 minutes pour vous expliquer. Ces choses, parce que je voudrais vous apprendre à briser vos mauvais rêves. Si vous avez besoin d'apprendre davantage sur les rêves et autres, sur le combat spirituel, j'ai des livres puissants qui sont disponibles. Il y a le premier livre que j'appelle Comment prophétiser pour activer votre potentiel c'est un livre qui permet de briser les malédictions. Le deuxième livre, Comment prier pour obtenir une protection divine maximale qui est un très bon livre de combat spirituel aussi. Et le troisième livre qui est intitulé Comment profiter, euh, euh, activer le pouvoir de l'automotivation un, un, un livre formidable qui euh, permet vraiment d'éviter les pièges de l'ennemi. Et le, trois, le quatrième livre qui s'appelle Né pour combattre le diable, qui est un livre formidable concernant le combat spirituel. Bien aimé Vous voyez, lorsque les enfants de Dieu commencent à prier, ils font des rêves, mais parfois ils ne comprennent pas que ces rêves-là sont des manipulations du diable pour vous et décourager. Donc, n'oubliez pas que euh, mes prières dérangent beaucoup le diable. Et quand vous commencez à prier, il va vous faire voir des conneries, des bêtises, pour vous intimider, pour vous dire mais pourquoi depuis je suis en train de faire les prières de l'eau, je suis attaqué. Bien aimé si vos vos prières du moins ne, dit, ne disent rien à l'ennemi, il ne vous attaquera pas. Vous ne ferez pas de cauchemar. Et d'ailleurs, si je vous envoie ces prières pour combattre le diable, vous devez comprendre que les vrais serviteurs du diable ne mentionnent jamais le diable. Dans leur prière, dans leur prédication. Vous allez voir les églises où les gens servent le diable. Ils ne vont jamais vous autoriser à prier. Intercession ne les intéresse pas. Vous allez voir, ce sont des lieux qui sont semblables à des lieux où on prêche la parole. Mais en réalité, on vous vend au diable d'une manière indirecte parce qu'on vous prêche la parole, mais on ne parle jamais du diable. Là-bas, il ne faut jamais parler des prières de guerre. Il ne faut jamais parler d'intercession. Il ne faut jamais parler de délivrance. Il ne faut jamais parler de tout ce qui est diabolique. Ils vont te dire non Prie seulement c'est en réalité des lieux où on livre des gens au diable sinon les véritables églises ou les véritables serviteurs de Dieu qui sont contre le diable qui veulent sauver des âmes et les arracher des mains du diable combattent le diable voilà les pasteurs corrompus ou les faux pasteurs qui ont vendu leurs âmes au diable vous allez voir que ce sont des gens qui ne parlent pas du diable même s'ils parlent du diable c'est de manière juste à vous blaguer c'est tout donc Sachez que ces prières que je vous donne sont des prières puissantes. Mes livres sont des livres qui révèlent des choses jamais révélées. Et quand le diable voit que vous êtes en train de le connaître, de le, connaître pardon, de le dévoiler, il va vous attaquer pour vous intimider. Et si vous persistez dans le combat, c'est plutôt lui qui vous laissera tranquille. Ne vous laissez pas manipuler par le diable et ses agents. Ne vous laissez pas mentir. Si vous êtes dans un lieu où on ne vous apprend pas à prier, vraiment demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux. Parce que ne peut pas y avoir de vie spirituelle sans combat spirituel. Il ne peut pas y avoir de vie spirituelle sans intercession. Il ne peut pas y avoir de vie spirituelle policière. C'était des guerriers. Jésus-Christ, notre Seigneur est venu combattre le diable. Et la Bible déclare que Satan est venu pour nous faire la guerre. Et quand vous êtes dans des églises où on ne parle pas des prières, et vous devez savoir que le leader certainement quelque chose à vous, à vous cacher. C'est vrai, il y a des gens qui servent Dieu mais qui n'ont aucune connaissance du combat spirituel. Ça, je suis d'accord. Mais le jour où vous venez de leur parler des combats spirituels, s'ils ne s'opposent pas, là, sachez qu'ils sont pour le combat spirituel. Mais il y a des gens dans leur église, il faut jamais parler d'intercession. Il faut jamais parler de combat spirituel. Quand tu parles de sorcellerie, non! Sorcellerie, c'est quoi? bien aimé, c'est que même là, ils sont sorciers. Je le dis. Ouvrez vos yeux et ne laissez pas un mauvais rêve vous détruire. Si vous avez besoin d'avantage de prières, je vous enverrai de temps à autre des prières par WhatsApp. Vous n'avez qu'à m'ajouter au 001-438-9954109. Faites-le plus 1-438-9954109. Je répète, mon numéro WhatsApp, c'est le plus 1, 438-995-4109. 438-995-4109. 9, Faites toujours le plus 1. OK? Aussi, je passe en direct sur YouTube, Facebook et, et Periscope les vendredis, les dimanches et les mercredis. Entre 15h et 13h et 15h, heure du Canada, c'est-à-dire entre 21h et. Euh, 18 h de l'Europe. La seule, seule chose que vous pouvez faire, c'est de vous abonner à l'une de mes chaînes, soit sur Facebook ou euh, YouTube, pour que dès que je suis en ligne, vous soyez avisé. Bien aimé, mes prières ont aidé les gens à être sauvés, à se délivrer partout dans le monde entier. Et je pense que cet enseignement n'est que euh, un autre euh, un autre canon, une autre bombe spirituelle pour dévoiler les œuvres de l'ennemi pour les détruire. Si vous n'avez pas mes livres, je vous encourage à aller au www.océandesgraces.com ou elogeekissi.com Voilà, nos paiements sont sécurisés. Et peu importe ce qui arrive, bien aimé, nous voulons équiper les enfants de Dieu pour qu'ils soient autonomes. Je veux les équiper parce que beaucoup ne savent pas prier. Voici pourquoi ils sont bloqués. Si vous êtes du genre de personne pff, à qui l'on n'a jamais appris à prier, sachez que vous êtes vraiment mal barré. Jésus-Christ dit... Priez en tout lieu et en tout temps. Priez en tout lieu et en tout temps. Priez en tout lieu et en tout temps. Et si vous ne savez pas prier, comment pouvez-vous parler à votre Dieu Et en plus, si vous n'avez pas le discernement, comment pouvez-vous comprendre quand Dieu vous parle Beaucoup ne savent même pas comment Dieu leur parle. Ils parlent seulement à Dieu. Ah Seigneur, pourquoi tu ne me réponds pas Il t'a déjà répondu, mais tu ne sais même pas. Alors, pour avoir de plus amples informations ou des connaissances, mon nom c'est Eloche Ekissi. Voilà. Je suis le serviteur de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Allez-y sur Internet, sur YouTube, sur Facebook. Ajoutez-moi et suivez mes programmes. Soyez abonnés à mes programmes et vous serez bénis. Bien aimé, c'était une heure pour briser les mauvais rêves. Je bénis le nom de Dieu pour ce moment. Que l'honneur et l'adoration reviennent à notre Dieu. Voilà. Allez-y sur mon site océandesgrâces.com. Océandesgrâces.com. Inscrivez-vous. Et connectez-vous avec votre email et votre mot de passe pour faire quoi? Pour télécharger des prières pour contrôler le jour. Allez-y. Que Dieu vous bénisse. Merci de partager. Partagez, s'il vous plaît. Ne gardez pas pour vous seul. S'il vous plaît, ne gardez pas pour vous seul. Aidez-moi à toucher le monde. Voilà, c'était Elogique ici dans une heure pour briser les mauvais rêves. Au nom de Jésus. Amen. Bonne journée. Bye bye. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Ne vous découragez pas. Merci. Bye.